Pour revenir à Kevin Yao nous fait croire qu'elle est une femme chef d'entreprise, elle est une femme posée, elle est une femme qui est assise et tout, qui n'est pas dans les scandales, qui n'est pas dans du battu-vu. Mais quand elle me dit ça, moi je dis non. C'est pas vrai. Parce que Kevin Yao a invité à Poutou National chez elle à la maison. Elle pouvait juste l'inviter, mais elle a dû filmer tout son appartement sans qu'on lui demande quoi que ce soit. C'était quoi le but recherché? Il y a des gens qui invitent à Poutou pour aller manger là-bas, mais ils n'ont jamais filmé les maisons. À Poutou était assis et puis l'un de ses employés a pris pendant qu'ils étaient en train de manger pour filmer toute la maison. C'est quoi le but recherché? Si ce n'est pas de chercher la gloire. Si ce n'est pas de chercher la gloire, c'est quoi elle son but? Quand tu te lèves, tu invites un blogueur et tu te mets à filmer ta maison et puis parler de la maison, parler de tes pieds sans qu'on te demande le but recherché, je pose la question. Ça, c'est ça. Encore, Kafouba est sorti, il a fait une vidéo. Elle-même, elle était dans les vidéos, dans la vidéo, elle faisait des commentaires. Après, elle a capturé certaines choses où elle a déposé sur les réseaux sociaux. Bon, si c'est pas de chercher la gloire aussi, là, tu as capturé, tu as déposé. Après, elle a même dit, excusez-moi, si elle s'est enfolée. Maintenant, tu t'en vas chercher. As-tu people? On sait tous ce qui représente As-tu people? On sait qu'As-tu people, c'est un média connu. Voilà. C'est un truc connu. Donc, quand tu t'en vas chercher, As-tu people venir te filmer? Et même, tu expliques tout ce qui se passe. Pourtant, tu pouvais faire un direct et puis t'exprimer. Mais si tu veux que ça va sur YouTube et que ça reste sur YouTube et que tout le monde va regarder sur As-tu people, que tout le monde, ça dit qu'un interview, ça dit que tu fasses ça de façon professionnelle pendant que tu n'es pas dans les buzz, en temps normal, ces choses-là ne t'intéressent pas. C'est que cela, c'est qu'elle a dit. Excusez-moi. D'accord. Il n'a pas situation. Ces choses sur lui, il revient vers elle pour venir lui faire des éloges, genre la blaguer, quoi. Tu sais que je t'aime, je t'ai toujours aimé, je vais changer et tout. La fille n'a même pas encore accepté, tu lui demandes l'argent. Elle n'a même pas encore accepté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas su la blaguer, en fait. En fait, son retour envers elle, c'était le retour pour lui demander de l'argent, en fait. Donc, ils étaient séparés, ils n'étaient plus ensemble. Il avait fait des choses à la fille et puis il revient vers elle pour lui demander de l'argent. Hey, elle a raison. Donc, Kafouba, franchement, je suis déçue. Ça dit que tu as fait des choses à la fille, vous êtes séparés. Tu l'as fait beaucoup de mal, vous n'êtes plus ensemble. Elle a pris son chemin, tu as pris ton chemin. Tu reviens, bonjour, demander tes pardons. Elle n'a même pas encore accepté le pardon. Et toi, dans le pardon, là, tu viens demander l'argent. Tu viens demander l'argent, mais elle va se dire, mais attends. Lui, là, donc, c'est parce qu'il a un problème qu'il est venu vers moi. Parce qu'il n'est même pas encore accepté. Il est en train de me promettre mariage. Il est en train de tout me promettre. Et puis maintenant, il profite, il me déborde de l'argent. Moi, je ne peux pas lui donner mon argent. C'est comme ça qu'elle a refusé de lui donner l'argent. Et comme elle a refusé de faire sa vie, donc il sort maintenant pour venir la salir. Donc, quand on me dit qu'il est téléguidé, les gens l'ont envoyé, c'est réel. C'est réellement vrai. Ils l'ont envoyé pour sortir faire ce direct pour salir la dame. Parce qu'elle a raison, tu as fait des choses à la fille, tu l'as fait subir les choses. Elle a subi, elle veut plus de la relation, c'est pas forcé. Mais là, toi, tu viens demander pardon, elle n'a même pas encore accepté pardon, toi, tu viens demander l'argent. Tu viens demander l'argent. En tout cas, Kevin, je suis désolée, oh. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas pris de parti pris, mais je pensais réellement que, comme j'ai une personne, ma maman Sonia qui disait que c'est une belle personne et tout, moi, je disais, elle n'est pas bonne, comment elle peut faire ça? C'est lui qui n'est pas beau.